M, N et P sont les milieux d'arrêt du corps représenté. Petit A localise le point de percée de la droite AG dans le plan MNP. Petit B calcule l'aire du triangle MNP. Petit C, quelle est l'amplitude de l'angle que forment les surfaces ABC et MNP? Choisissons d'abord un système de référence orthonormé de l'espace, par exemple celui-là. Pour répondre aux questions, nous avons besoin de la coordonnée de chacun de ces points. Le point A a pour coordonnée 0, 0, 0, puisque c'est l'origine de notre système de référence. Le point C a pour coordonnée 8, 6, 0. Le point F a comme coordonnée 8, 0, 4. Le point G a comme coordonnée 8, 6, 6. Et le point H a comme coordonnée 0, 6, 6. Puisque le point M est le milieu du segment FG, nous obtenons la coordonnée de M par la demi-somme des coordonnées de F et de G. Donc, la coordonnée de M, c'est 8 plus 8 divisé par 2, c'est-à-dire 8, 6 plus 0 divisé par 2, c'est-à-dire 3, et 6 plus 4 divisé par 2, c'est-à-dire 5, d'où la coordonnée 8, 3, 5 du point M. Comme N est le milieu de l'arrêt CG, nous obtenons la coordonnée de N en additionnant les coordonnées de G et de C et en divisant cette coordonnée par 2. Donc nous obtenons 8 plus 8 divisé par 2, c'est 8. 6 plus 6 divisé par 2, c'est 6. Et 0 plus 6 divisé par 2, c'est 3. Le point P, c'est le milieu de l'arête GH, donc sa coordonnée s'obtient en additionnant les coordonnées de G et de H et en divisant cette somme par 2, d'où 4, 6, 6 comme coordonnées du point P. Pour répondre au petit a, nous cherchons le point d'intersection de la droite AG avec le plan MNP. Par conséquent, nous allons d'abord rédiger des équations cartésiennes de la droite AG, ensuite l'équation cartésienne du plan MNP, et puis nous résolvons le système formé par ces trois équations. Pour la droite AG, nous écrivons x moins sûr égale y moins sûr égale z moins sûr. Derrière les trois signes moins, nous mettons la coordonnée d'un point de la droite AG. J'ai choisi le point A, de coordonnée 0, 0, 0. Comme dénominateur, nous mettons la coordonnée d'un vecteur directeur de la droite AG. Comme vecteur directeur de la droite AG, on pourrait prendre le vecteur AG dont la coordonnée est celle de G moins celle de A, donc celle de G. On peut aussi prendre la moitié de cette coordonnée parce que la moitié du vecteur directeur AG, c'est aussi un vecteur directeur de la droite AG. Donc, j'ai choisi de prendre la moitié, d'où ces trois dénominateurs. En égalant la première et la deuxième fraction, nous obtenons comme première équation cartésienne de la droite AG cette équation-là. Et en égalant la première et la troisième fraction, nous obtenons comme deuxième équation cartésienne de la droite AG celle-là. L'équation cartésienne du plan MNP peut s'écrire comme ceci. Ce déterminant est égal à 0. Regardons la première colonne du déterminant. Elle est formée par la coordonnée x, y, z d'un point quelconque du plan MNP, puis moins, 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 la coordonnée d'un point du plan MNP. J'ai choisi le point M, dont la coordonnée c'est 8, 3, 5. 8, 3, 5. La deuxième colonne est formée par la coordonnée d'un vecteur directeur du plan MNP.
Comme vecteur directeur, j'ai choisi le vecteur mn, dont la coordonnée s'obtient par celle de n moins celle de m. Donc, 8 moins 8, c'est 0. 6 moins 3, c'est 3. 3 moins 5, c'est moins 2. La troisième colonne du déterminant est formée par la coordonnée d'un deuxième vecteur directeur du plan MNP, mais non collinéaire avec ce vecteur-là. Comme deuxième vecteur directeur, j'ai choisi le vecteur MP, dont la coordonnée s'obtient par celle de P moins celle de M. Donc, 4 moins 8, c'est moins 4. 6 moins 3, c'est 3. Et 6 moins 5, c'est 1. Pour calculer ce déterminant, on peut par exemple appliquer la loi de Sarrus. Calculons ainsi x moins 8 fois 3 plus y moins 3 fois 8 plus z moins 5 fois 0 moins moins 12 fois z moins 5 moins moins 6 fois x moins 8 moins 0. D'où cette équation cartésienne du plan MNP. Le point de percée que nous cherchons, c'est l'intersection de la droite AG avec le plan MNP, c'est-à-dire la coordonnée du point de percée, c'est la solution de ce système d'équations, équations qui viennent de là et là. La première équation nous dit que y est égal à 3x divisé par 4. Et la deuxième équation nous dit que z vaut aussi 3x divisé par 4. Donc, au plus tard ici, nous voyons que l'ordonnée et la cote du point d'intersection S sont égales. Si dans la troisième équation, nous remplaçons y par 3x sur 4 et z aussi par 3x sur 4, alors nous obtenons cette équation-là qui ne contient plus comme inconnu que x. Ici, on peut simplifier par 4, là également, et alors cette équation mène de suite vers x est égal à 13 demi. Et en remplaçant là et là, x par 13 demi, nous obtenons que y vaut 39 huitièmes et z aussi. D'où la coordonnée du point S cherché. Au petit b, nous cherchons l'aire du triangle MNP. Nous savons bien que l'aire de ce triangle peut se calculer par la moitié de la norme du produit vectoriel de ces deux vecteurs MN et MP. Nous avons donc d'abord besoin des coordonnées de ces deux vecteurs. Le vecteur MN a comme coordonnée celle de N moins celle de M. Donc, 8 moins 8, c'est 0, 6 moins 3, c'est 3, et 3 moins 5, c'est moins 2. La coordonnée du vecteur MP s'obtient par celle de P moins celle de M, donc moins 4, 3, 1. Moins 4, 3, 1. La coordonnée du produit vectoriel de ces deux vecteurs s'obtient comme ceci. Nous calculons 3 fois 1 moins 3 fois moins 2, c'est donc 3 plus 6, c'est-à-dire 9. Ensuite, moins 2 fois moins 4 moins 1 fois 0, ça donne 8. Et la cote, c'est 0 fois 3 moins moins 4 fois 3. Donc, c'est 0 plus 12, donc 12. Nous cherchons la norme de ce vecteur. Et puisque notre système de référence est orthonormé, nous obtenons la norme en calculant la racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré. Donc, c'est bien racine carrée de 9 au carré, c'est 81, 8 au carré, c'est 64, et 12 au carré, c'est 144. Et cette somme, c'est 289. Qui est exactement le carré de 17. Donc, cette racine carrée, c'est 17, et ainsi, comme R du triangle MNP, nous obtenons 17 demi.
Appelons gamma l'angle formé par les deux plans ABC et MNP. Le cosinus de gamma se calcule par le produit scalaire d'un vecteur normal au plan ABC par un vecteur normal au plan MNP divisé par le produit des normes de ces deux vecteurs normaux. Puisque le plan ABC est le plan horizontal d'équation cartésienne z égale 0, nous pouvons prendre comme vecteur normal à ce plan le vecteur de coordonnées 0, 0, 1. Comme vecteur normal au plan MNP, nous pouvons prendre le produit vectoriel des vecteurs MN et MP. La coordonnée de ce vecteur normal a été calculée au petit b. Puisque le système de référence est orthonormé, nous pouvons calculer cette fraction par cette coordonnée-là, scalairement par cette coordonnée-là, divisée par la norme de ce vecteur, c'est bien sûr 1, fois la norme de ce vecteur, elle a été calculée au petit b et vaut 17. Ce produit scalaire, ça donne 0 plus 0 plus 12, donc le cosinus de gamma est égal à 12 dix-septièmes, et par la fonction cosinus exposant moins 1, la calculette nous livre comme gamma 45,09913 degrés.